C'est lui, nous les musulmans, on dit qu'il est glorifié. C'est le même Allah qui dit à Marie que ton fils là, il sera glorifié sur terre et dans l'au-delà. C'est Allah qui dit que ton fils là, il sera glorifié sur terre et dans l'au-delà. Très simple. Alors. Maintenant, je te comprends. Tout ce que tu as dit là, tu dis que le Coran dit que c'est Allah seul. Je répète. Attends, viens. N'interprète pas, mais dis. Le Allah que tu viens de lire, la sourate que tu viens de lire, le verset que tu viens de lire, dis très bien, c'est lui Allah. Oui. Hein? Point de divinité. Point de divinité. À part lui. Maintenant, moi, je te dis, c'est cet Allah là qui dit à Marie, c'est Allah que tu dis point de divinité là. C'est lui qui dit à Marie, que ton fils Jésus là, il sera glorifié sur terre comme dans l'au-delà. C'est tellement simple. Mais ton problème, c'est quoi? Voilà pourquoi il t'a dit au départ. Tous les prophètes de Dieu sont glorifiés ici-bas, comme dans l'au-delà. Tu ne peux pas me faire de ça dans la tête. Tu n'as pas ce verset. Écoute-moi. Toi, tu dis. C'est pas une question de verset. Attends. Faut pas interpréter le truc avec. Écoute-moi. Tu dis. Prends le micro. Tu dis que le Coran dit que c'est Allah seul qui est élevé sur la terre comme dans l'au-delà. Attends, laisse-moi parler. Je t'ai compris. Maintenant, tu dis dans l'autre verset là, c'est Allah lui-même qui a dit à Marie que ton fils là, Jésus là, il est élevé ici bas comme dans l'au-delà. Toi, ton problème, c'est Allah qui a dit non. Donc, comme c'est Allah qui a dit à Jésus et puis à Allah non, on te montre cette même chose dans la Bible. Voilà. Justement. Attends. Viens. Attends. Fais attention. Tu parles de Dieu libre. Non. C'est vrai. On voit que Dieu parle de lui-même. On va te montrer. Non, ça c'est dans la Bible. Mais c'est ça qu'on a vu dans le Coran là. Justement. Tu dis que c'est ça qu'on a vu dans le Coran là. Non, c'est pas la même chose. Où on a entendu il est élevé là. Oh, c'est Allah seul qui est élevé. Attends, mon frère. Excusez-moi. Hébreu 1, verset 6. Attends. On te montre la même chose. Faut pas au verset 8 rapidement même. Hébreu 1. On te montre où Dieu est en train de parler à Jésus. Puis il dit c'est Jésus qui est Dieu. On te montre. Hébreu 1, verset 8. Parce que quand il dit élevé sur la terre, parle de sa divinité. Amen. Alors il dit que c'est lui qui est Dieu. C'est ça. Ça, tu n'as pas compris. Ah, c'est selon vous. Hein. Non, c'est selon le Coran. Ça, c'est pas selon le Coran. Maintenant, disons Hébreu 1, 8. Hébreu 1, 8 ans. Écoute maintenant. Écoute. Mais. Il a dit au Fils. Il a dit au Fils. Mais Dieu parle au Fils. Le Fils, c'est Jésus, non? C'est Jésus qui est le Fils. Dieu a parlé à Jésus maintenant. Ton trône. Il dit ton trône. Oh Dieu. Mais il dit au Fils. Mais il parle à Jésus. Dieu parle à Jésus. Ton trône, non. Il dit quoi, ton trône? Oh Dieu! Oh Dieu! Est éternel! Éternel! Il y a combien de Dieu alors? C'est ça là, à faire là, dans le Coran là. Vous avez fini. Attends, tu n'as pas compris le Coran? Vous avez fini. Non, pas fini. C'est vous qui ne comprenez pas le Coran. Non. Attends. C'est qu'elle a fait dans le Coran là. Où il a dit Marie, c'est lui qui naît là. C'est lui qui est élevé sur la terre comme de l'eau de là. Il dit c'est lui qui est Dieu. Voilà. C'est ici, il a vu ça. Mais il dit au Fils. C'est elle a vu ça. Mais il dit au Fils. Oh, ton trône. Non. Dieu dit à Jésus. Ton trône. Oh Dieu. Est éternel. Éternel. Le sceptre de ton règne. Le sceptre de ton règne. Est un sceptre d'équité. Est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice. Tu as aimé la justice. Et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Oh Dieu. Ton Dieu. Il y a combien de Dieu? Vous avez fini? Attends! Toi, tu ne connais pas Dieu. Tu ne comprends pas comment Dieu agit. Oui, continue. Oh Dieu! Oh Dieu! Ton Dieu! Jésus est Dieu. Uh-huh. Et puis, ton Dieu t'a oué. D'une huile. De joie. Au-dessus de tes égaux. Continue. Et encore. Toi, Seigneur. Dieu appelle quelqu'un Seigneur. Ah. Il appelle Jésus Seigneur. Adonai. Dieu appelle Jésus Adonai. Ouais. Toi, Seigneur! Dieu parle à Jésus. C'est ce que Allah a fait à Marie. Il sait qu'il est là. Voilà. C'est Dieu qui est là. Et Dieu dit, c'est pour. Oh, toi, Seigneur! Toi, Seigneur! Pourquoi Genèse 1, verset 1 d'abord? Genèse 1, verset 1. Dis-moi d'abord, Genèse 1, verset 1.
Avant de lire ça, on lit Genèse 1 d'abord. Toi, tu n'as pas compris. Genèse 1, verset 1. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Soit 28, soit 10. Voilà. C'est Allah seul qui est élevé au-dessus de sur la terre comme dans l'au-delà. C'est même dans Genèse 1, verset 1. Mais Allah vient dire à Marie que celui qui va naître là, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est élevé sur la terre comme dans l'au-delà. C'est ça, voici. Genèse 1, verset 1. La Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a créé d'autres, hein? Maintenant, disons ce que Dieu dit à Jésus. Et encore. Il dit. Toi, Seigneur. Tu as au commencement. Fondé la terre. Alléluia. Amen. Là, tu connais pas là. Attends. Il dit encore. Bon, entre Jésus et puis Dieu qui a créé la terre. Voilà. Entre Jésus et puis Dieu qui a créé la terre. Dieu dit à Jésus quoi? Il dit quoi? Et toi, Seigneur. Dieu dit à Jésus, et toi, Seigneur. Tu as au commencement. Fondé la terre. C'est parce que Jésus est Dieu. Amen. Dieu se parle à lui-même. Amen. Dieu te le parlait de lui-même. Et les cieux. Sont l'ouvrage de tes mains. Pensez, vous avez fini. T'as vu, non? T'as parlé. Écoute. Dieu vient vers Jésus. La Bible dit quand il introduit de nouveau le premier-né, son pardon, verset 6. C'est-à-dire quand les nés là, dans son 3 là, c'est là ils ont pris ça. C'est quand il est né que Dieu a commencé à parler de lui. Voilà. On a soit sa Marie que Dieu a parlé. C'est clair. Ici, là, quand il est né, la Bible dit, prends le verset 6. Verset 6. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né. Quand il est rentré, c'est pas la première fois qu'il vient sur la terre. Voilà. Quand il est introduit de nouveau, voilà. Il est venu encore. Voilà. C'est lui qui était en été qui parlait à Adam. C'est ça. C'est lui qui a pris la poussée pour former Adam. Il vient d'arriver encore. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il introduit de nouveau le premier né dans le monde. Dans le monde. Donc c'est ça, on a vu dans Soit 3:45. Maintenant, quand il a roi, on t'explique. Maintenant, quand il est né, Dieu parle de lui. Il dit. Écoute-moi. Dieu est là, non? Jésus est là. C'est ça, on te voit, non? Voilà. C'est ça, on te voit là. Dieu est là, et puis Jésus est là. Maintenant, Dieu dit Jésus. Toi, Jésus, là, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Voilà. Lorsqu'il introduit, il dit, toi, Jésus, là, c'est toi qui as créé les cieux et la terre. Ça veut dire que c'est Dieu qui est là. Amen. Dieu s'adresse à lui-même. C'est ça. Dieu parle de lui. Amen. C'est ça, on a montré dans Soit 3:45. Dans Soit 28:10, Allah dit que c'est Allah seul qui est élevé sur la terre comme dans l'au-delà. Maintenant, quand il voit Marie, il dit, ton fils, là, c'est lui qui est élevé sur la terre comme dans l'au-delà. C'est lui qui est Dieu. Amen. Merci, Pasteur. C'est bon, forum. Hein. Et je vous écoute. Et quand je vous entends parler, je suis vraiment content parce que j'apprends beaucoup. Mais je vous dis une chose. Je répète encore, c'est pas bien faire un débat. Sinon, tout ce que vous disiez, même si je rentre ce soir-là, je vais les relire au courant avant de me coucher. Donc, moi, je ne fais pas de débat sur ça. Comme il a dit au départ, moi, ma foi, je ne relis pas ma foi. Ma foi musulmane, je ne sais pas comment ils vont faire pour me l'enlever. Moi, ma foi musulmane. Non, on ne veut pas t'enlever ta foi, hein. Je viens, non. Excusez-moi, c'est une aide. Parce que nous, on t'aime. C'est l'amour de Dieu. Mais je vais vous demander de relire encore oui. Les deux versets coraniques oui. Que vous avez pris là. Oui. Hein? Oui. Vous avez pris votre temps pour expliquer oui. Les versets bibliques de suite. Oui. Moi, je ne crois pas. La Bible n'est pas mon livre de trucs. Hein. Moi, je crois au Coran. Vous comprenez? Il y a tout qui dit, et je le dis à mes frères chrétiens, et je le dis à mes frères musulmans. Quand un musulman lit le Coran, c'est vrai, il explique le Coran, hein, mais il interprète. C'est une interprétation qu'il donne. Quand le chrétien lit la Bible, c'est une interprétation qu'il donne. Donc, faisons attention. Quand vous lisez le Coran, là, selon vous, quand vous lisez le Coran, vous dites, ce verset-là dit que Dieu dit qu'il a envoyé Dieu sur terre. C'est pas ce que le Coran dit, c'est pas ce que moi je lis. Donc,
Déjà, moi, pour me faire comprendre là, ce n'est pas par ces deux versets là. C'est impossible parce que moi, depuis que moi je suis dans la religion musulmane, j'ai lu, j'ai relu, j'ai relu. Et moi, j'ai ma compréhension dessus. Moi, j'ai ma compréhension dessus. Moi, le Coran me dit, Dieu, il est unique, il n'a pas d'associé, personne ne l'a aidé, il n'a pas été engendré, il n'a jamais engendré. Et moi, le Coran me dit que c'est Dieu-là qui a dit à Marie, Marie, ton fils-là, il sera grand sur terre, il sera grand là-bas. Le même Dieu, c'est pour nous les musulmans, tous les prophètes sont grands sur terre, ils sont grands de l'autre côté. Il n'y a pas de débat chez moi. Tous les prophètes pour les musulmans sont sur les mêmes pieds d'égalité. Sont sur les mêmes pieds d'égalité. Ça, c'est l'un des fondements de l'islam. Vous comprenez? Donc déjà, sur cette base-là, moi je dis, il n'y a pas de débat. Il y a débat où? On fait débat où? On fait débat quand il y a polémique, c'est quelque chose. Pour moi, ici, il n'y a pas de polémique. Ici, là, pour moi, il n'y a pas de polémique. Pour moi, Dieu est un, il n'a pas d'associé, il n'a pas été associé, il n'a pas été engendré, il n'a jamais engendré. Vous comprenez, non? Donc, pour moi, dans le Coran, quand Dieu dit Marie. Je t'ai compris, laisse-moi te répondre. Je crois, moi, il est allé à l'école. Parce que le point des musulmans. Voilà pourquoi il a dit dessus. Il a dit réaliser les deux versets. Attends, laisse-moi. On va réaliser les deux versets. Je vais t'écouter. Laisse-moi. Prends le micro, donne-lui. Tu parlais là. C'est pas ici d'accord avec toi, mais écoutez. Tu m'écoutes. Non, mais tu parles. Tu vas pas comprendre. Je crois que tu es là à l'école. Parce que le point des musulmans, au lieu d'aller à l'école, ils sont fait matasakalan. Attention, ne mélangez pas. C'est pourquoi ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Pas. Attends. Ne comprenez attends pas. D'abord, attends. Attends d'abord. Attends. Ils ont problème de compréhension de la langue française. C'est ce que vous dites. Sinon, ces versets-là. Il faut attendre. Pardonnez. Non, c'est ici. Pardon. Il faut suivre ici. Il faut suivre ici. Il faut suivre ici. Les deux versions on a donné là. Si tu ouvres ton intelligence, comme on vous l'a dit, Al-Foukan, faut le bouger un peu. Faut bouger ton Al-Foukan un peu, tu vas comprendre. Dans le Coran, de la manière que Jésus a été présenté là, il n'y a pas un prophète qui a été présenté comme ça. Impossible! Laisse-moi parler. La sourate 345 là. C'est ça qui doit te dire. C'est quand tu fais comprendre. Dans la sourate 28:70, Allah dit que c'est Allah seul qui est élevé ici-bas, comme dans l'au-delà. Donc il n'y a pas un être dans tout l'univers qui doit être élevé ici-bas, comme dans l'au-delà. Si tu as accepté ça maintenant, là, ça peut t'aider. Il faut bouger ton Al-Foukan maintenant. C'est pour dire qu'il y a un seul être dans tout l'univers. Écoute. Il y a un seul être dans tout l'univers là qui est élevé ici-bas comme dans l'au-delà. Il n'y a pas deux. C'est tout dans le Coran. Un être qui est élevé ici-bas comme dans l'au-delà, c'est lui qui est Dieu. C'est tout. Tu vois un peu, il faut me laisser parler. Il faut me laisser parler. Écoute. Dans le Coran, il faut m'écouter. Allah dit c'est lui seul qui est élevé ici-bas. Attends. Si tu es à l'école, tu vas comprendre. Mais je comprends. Dans le Coran, il y a un seul être qui
qui est élevé ici-bas. Vous voulez m'imposer votre compréhension des choses? Non, c'est pas ça. On veut t'aider à comprendre. On veut t'aider à comprendre. Je comprends ma manière. Non, mais tu peux comprendre ta manière et ne pas comprendre bien. Je comprends très bien. Écoute. Je comprends très bien. Dans le Coran, là, il y a un seul être. Il y a un seul être qui est élevé ici-bas comme dans l'au-delà. L'au-delà. Il faut écouter ici. Il faut écouter ici. Il faut écouter ici. Dans le Coran, là, il n'y a pas deux êtres qui sont élevés ici-bas comme dans l'au-delà. Il y a un seul être. Maintenant, si dans le Coran, tu découvres un individu qui est élevé ici-bas comme dans l'au-delà, il n'est rien d'autre que Dieu. C'est ça. Vous avez dit. Attends. On relit les deux sourates. Relisons les deux sourates. Non, non, non. On relit la sourate qui dit Dieu. Non, d'abord. Ils ont lu la sourate 2070. Vous t'aidez? Non, attends. Quand, attends. Quand on va relire la sourate, vous avez réexpliqué selon vous. D'abord que vous comprenez la demande de vous. On va lire. Lisons. Non, on n'a pas bien expliqué. C'est une lettre claire. Le Coran est une lecture claire. Tu vas lui présenter là. C'est lui seul qui est Dieu. On va lui donner un de ses attributs. Attends. Attends. On va lui donner un de ses attributs. Celui qu'on prend ici là. On attend donner un de ses attributs. Cet attribut là, c'est lui seul qui a ça. C'est lui seul qui a ça. Tu comprends, non? Donc, reprends. C'est lui Allah. C'est lui Allah. Pas de divinité. Pas de divinité à part lui. À part lui. Lui. À lui la louange. À lui. Lui qui est seul là. Le seul là. Qui est Dieu là. À lui la louange. À lui la louange. Ici bas. Ici bas. Comme dans l'au-delà. Comme dans l'au-delà. L'au-delà. C'est lui seul. Attends d'abord. Attends. Ouais, pas pose sa question. La sourate commence par quoi? C'est lui Allah. C'est lui Allah. Oui. La sourate dit que. La sourate commence par. Allah, 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 ça veut dire Dieu. Allah, c'est la signification étymologique. Attends. Attends, non. Faut écouter. Non, faut écouter. Écoute. Écoute. Allah, Allah, c'est la signification. Il faut écouter. Oh. Il faut écouter ici. Écoute ici. Bien, bien. Bien. Il faut écouter. Il faut écouter. Mes frères, pardon, il ne faut pas faire ça. Pardon. Alléluia. Alléluia. Je vous en prie, je vous en prie, on va avancer. Mais il faut que aussi vous puissiez comprendre quelque chose. Je vous en prie. Je vous en prie. Motion, motion, motion. Eh, Anda. On peut se calmer? Ok. On va avancer. Je vous en prie. La foule, s'il vous plaît. Nous vous comprenons.
Parce qu'il y a deux choses qu'on doit mettre en ordre. Et je m'adresse et en même temps à la foule et à notre intervenant. Quand quelqu'un aussi prend de foi son courage et vient poser une question, qu'on ait aussi l'amabilité souvent de le tolérer. Parce que ça se passe entre les deux. Et le frère, on est tous conscients et témoins ici qu'il ne l'a pas attaqué, ni même dit une parole méchante envers lui. Mais il se plaint du fait que lorsqu'il est là, il y a des paroles qui lui sont dites dans son dos. Et que lui, vraiment, ça ne lui plaît pas. Il risque de dire, bon, si c'est ça, je m'en vais. Et ça va mettre fin au débat et on va pas passer à autre chose. Vous voyez? Donc, faudrait pas qu'il puisse attraper ça. Maintenant aussi, pour qu'il y ait l'ordre là, dans le plan de la dialectique, cher ami, pardon, dans le plan de la dialectique là, lorsque ton interlocuteur a la parole, dans le plan de la dialectique, tu t'éteins et tu l'écoutes. Lorsque lui aussi, il finit, quand tu as la parole, lui aussi, il se tait et il t'écoute. Ça, c'est le plan du dialogue. C'est ça. Une fois que ce plan est brisé, à chaque fois que lui parle, tu veux intervenir. À chaque fois que lui parle, tu veux intervenir. Toi-même, tu détruis le plan du dialogue. Et ça crée aussi le trouble. Donc, vraiment, on ne dit pas qu'il faut être d'accord avec tout ce qu'il dit. Tu es libre de ne pas être d'accord. C'est ça. La décision, elle te revient pour finir. Mais lorsque lui va finir d'intervenir, tu vas prendre aussi la parole et tu vas intervenir. Mais, c'est que vos interventions ne doivent pas être des interventions affirmatives. Si tu tiens une déclaration sans appuyer ça par une preuve, soit biblique ou coranique, tu ouvres encore la voie au désordre encore. Parce que c'est comme si maintenant c'est toi ton raisonnement que tu présentes. Si tu dis que tous les prophètes sont illustres ici-bas, tout comme dans l'au-delà, soit c'est ta pensée à toi, oui, ou bien dans les 114 sourates là, avec les 1000 combien d'ayats là, il y a au moins une demi-ayat qui dit que vraiment tous les prophètes sont illustres ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Là, il n'y a pas de débat. On n'a rien à expliquer là. Mais toi, tu le dis sans le prouver. Alors que le frère lui dit non, Jésus, la mère dont le Coran l'a présenté, c'est différent de tous les autres prophètes. Et sans bouger même là, il va présenter ça, toutes les caractéristiques de Jésus selon le Coran, pour montrer qu'il est différent des autres. Et il a commencé par le premier élément, Jésus est illustre ici-bas, comme dans l'au-delà. Et Jibril dit à Mohammed, Allah aussi, là, c'est lui qui est glorifié ici-bas, comme dans l'au-delà. C'est l'équation qui est là. Il y a combien qui sont illustres, qui sont glorifiés, qui sont élevés ici-bas, comme dans l'au-delà. C'est Jésus, wa, c'est Allah, wa. Ils sont deux à l'unité, l'illustration, ici-bas, comme dans l'au-delà. Elle doit tomber aujourd'hui. Elle reste clair. Salut, bon. Alléluia. Amen. Donc, pour ne pas être long, la foule, vraiment, c'est un sujet qui est très intéressant. On n'a qu'à se calmer. Calmons-nous. Et on va creuser ça. Actuellement, vous qui venez d'arriver, oui, c'est sur la position de Jésus. Le frère dit que le Coran donne la présence. La manière dont le Coran a présenté Jésus, voilà, est différente des autres. C'est clair. Et il y a un qualificatif que Jésus et Allah, les deux ont. Ils partagent. Voilà, ils partagent. L'illustration ici, pas comme dans l'au-delà. Pour Jésus, c'est clair. Pour ce que Jibril a dit à Mohammed, concernant Allah aussi, c'est écrit. Donc, entre les deux là, qui est illustre ici, pas comme dans l'au-delà. Donc, c'est le sujet qui est là actuellement. Elle doit tomber.
Moi, je vais intervenir d'abord rapidement. Voilà. Il y avait un rectificatif. Il a toujours dit dans les débats, même quand je suis le débat musulman là-bas, il a toujours dit quand on vient sur un débat, on ne vient pas en tant que supporter. On vient pour parler de Dieu. Quand il est rentré ici, là, personne ne m'a obligé de rentrer. C'est moi qui ai mis mon nom sur la liste. Le frère ne m'a pas insulté. Tous ceux qui sont là, pas qui m'ont injuré. Ce n'est pas un individu qui est capable de venir poser une question qui va rester dehors. Et puis ne parlez mal. Non, ne demande pas, il faut laisser ça. Non, il y a l'essentiel. Pas le temps passe, il y a beaucoup de questions. Il faut laisser. De suite, le il pasteur. Il a parlé, pardon. Il y a bien. Nous tous, nous sommes demandés pardon. Laisse tomber ça. Allons à l'essentiel. Allons, il n'est pas des questions. Je viens dans le débat maintenant. Le pasteur vient de dire quelque chose. Quand il est rentré, j'ai dit qu'il ne faut pas de débat. Si je ne me trompe pas, c'est une question que vous m'avez posée. Vous avez pris deux versets coraniques et c'est de là la question est venue. Un verset qui dit que Dieu est unique, et le verset qui dit que Jésus est unique ici-bas, et il est grand ici-bas, et il est grand de l'autre côté. Moi, j'ai dit, dans les deux versets là, le verset qui dit Dieu est unique, il est grand ici-bas, et dans l'au-delà, l'autre verset coranique dit, c'est le même Dieu qui dit, Marie, ton enfant là, il sera unique ici-bas, et dans l'au-delà, c'est Dieu qui dit Marie. Maintenant, si vous estimez que c'est le même Dieu qui est venu dans le truc, je vous dis Amen. C'est votre compréhension de la chose. Le pasteur me demande de prouver des versets coraniques. J'ai dit pour nous les musulmans, tous les prophètes sont grands ici-bas et dans l'au-delà. Pour nous les musulmans. Et avant de rentrer ici, j'ai dit quelque chose de très important. J'ai dit que je ne suis pas venu pour un débat. Si vous voulez un débat, moi, je vous mets au défi devant toute l'Assemblée. On se retrouve ici le jeudi prochain à la même heure. Si vous voulez un débat sur le même sujet, je prends le passé en témoin. On revient ici le jeudi prochain sur le même sujet. Si vous voulez, là maintenant, on fait un débat. Là maintenant, moi, je me prépare maintenant avec les versets que vous voulez parce qu'il y en a plein dans le truc. Moi, je n'ai pas fait quoi coranique. Hein. Donc, quand je me prépare, je prends mes versets et puis je viens ça. Je ne suis pas comme Oussa Diané qui a fait le corps coranique. Non. Donc je me prépare puis je viens. Mais à l'instant T là, vous me posez une question, on peut répondre. On t'a compris. Ouais. Je peux répondre. Laisse le mouvement s'appeler l'Assemblée. Tu n'as pas compris le pasteur. Il dit que quand tu donnes une affirmation, mais ce n'est pas débat. Il faut qu'elle soit au moins soutenue par un verset du Coran. Il dit que tous les prophètes sont élus ici-bas comme dans l'au-delà. Au moins, il y a un verset du Coran qui le dit. Justement. Faut pas prendre ta... Attends. Faut pas prendre ta pensée pour nous donner. Parce que ici, là, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un. Impossible. Tu vois, non? Possible. C'est le Coran seulement que tu dois prendre. Si le Coran n'a pas dit ça, écoute-moi. Écoutez. Si le Coran n'a pas dit ça, il ne faut pas affirmer. C'est clair. C'est pas bon. Ce que tu fais, c'est pas bon. C'est pas bien. C'est pas bien. Voyez, tu te lèves contre Dieu. Voilà. Ce qu'il n'a pas dit dans lui, son livre, toi, tu affirmes ça. C'est dangereux. Ne me prêtez pas de dire. Je répète encore ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que je dis. Quand je suis rentré ici, attends, je viens. Tu arraches la parole. Quand tu parles, on parle pas de ça. On n'est pas encore à ce niveau-là. On n'est pas encore arrivé là-bas. Je suis en train de dire ce que le pasteur a dit, que tu n'as pas compris. Attends, tu as dit que tu n'es pas venu pour un débat, que tu es venu poser question. Le pasteur dit que ce n'est pas un problème. Mais si tu donnes une affirmation, même ta question, il faut qu'elle soit soutenue par un verset. Si c'est pas, si c'est... Non, il faut m'écouter. Le fait que tu dises que tous les musulmans, tous les prophètes sont illustres ici-bas, comme dans le... Ça doit être. Écoute-moi. Il faut m'écouter. C'est que vous m'avez pas compris. Vous m'avez il faut m'écouter. Non, ne me prêtez pas. Attends. Je vais répéter ce que j'ai dit. J'ai dit selon les musulmans. Selon les musulmans. Oh, ça veut dire selon le Coran. Tout le non, on veut selon le Coran. Justement. Je vous ai répondu à moi. Ben, selon je vous ai répondu de suite. Donc, je vous ai dit. Je vais pas s'aimer le trou. On va passer. Attends. C'est pas important le trou. Attends, non.
Je ne suis pas important de trouver. Je parle, tu parles. Est-ce qu'un dialogue, c'est un débat? Attends, non. Je vous en prie. Faut pas. On va insulter notre intelligence. Est-ce qu'un échange ou un dialogue, c'est un débat? Non. On peut dialoguer, échanger dans l'ordre sans que ça soit un débat. Un débat, c'est un sujet. Tu as ton temps d'intervention, il a son temps d'intervention, ça chronométrie. On n'est pas dans le cadre d'un débat. On n'est pas dans le cadre d'un débat, c'est un échange où tu fais sortir tes choses. Non, échange là, tu ne fais pas. Mais ce n'est pas un débat. Bon, on va avancer. Okay. On va avancer. Comme Dieu. On va avancer. Il y a des questions, la foule est là. Bon, il a dit beaucoup de choses. Et si on veut faire débat, on ne change pas. C'est pas un débat. Non. On va régler ça là d'abord. Et puis s'il y a débat, c'est là j'ai dit. Mais ça là, on ne finit pas avec. Il est là, on va finir ça là. Maintenant, il a dit beaucoup de choses. Attends, il ne faut pas faire ça. C'est comme si il y a un feu sur lui, il veut plus laisser tranquille. Il y a quelque chose qui bouge. Nous là, on n'a pas de problème à être personnel. Nous on t'aime. Ce qu'on est en train de faire là. Non, mon ami, pardon. Pourquoi tu fais ça? Bon, on va avancer. On voit que c'est la fuite. On va avancer. Il a dit beaucoup de choses qu'il ne comprend pas. Vous savez, tout de suite, il a dit quelque chose qu'il n'a pas compris. Je lui ai demandé, est-ce qu'il est allé à l'école? Il a dit oui. Parce qu'au moins, l'école va lui permettre de comprendre la langue française, de comprendre le sens des choses. Dans le Coran a présenté un attribut de Dieu. Le Coran dit, le seul Dieu là, il est illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Maintenant, dans le même Coran, c'est pourquoi dans tout le livre, il dit que de la manière que le Coran a présenté Jésus, il a présenté différemment de tous les autres prophètes. Ce que le Coran a dit de Jésus là, oui, il n'a jamais dit ça d'un autre prophète. Jamais. C'est impossible. Donc, le même Coran qui dit c'est Dieu seul qui est élevé ici-bas comme dans l'au-delà, parlant de Jésus, le Coran dit que Jésus est élevé ici-bas comme dans l'au-delà. Donc cet attribut-là, Jésus et puis Allah partage ça. Voilà. Oh, c'est un seul qui porte ça. C'est Dieu. Celui qui porte ça là, c'est Dieu. Donc Jésus, il est qui? Question. En portant cet attribut, il est qui? Question. C'est ça en train de parler. C'est ça en train de parler. Il dit on associe. Non, on ne parle pas d'association. On n'a jamais associé quelqu'un à Dieu. Jamais. On n'a jamais associé Jésus à Dieu. Non. Jamais. On dit c'est lui qui est Dieu. Amen. Le seul Dieu là, c'est Jésus. Amen. Selon le Coran. C'est clair. Et c'est rempli dans le Coran. Verset 9. C'est rempli. Il a pris la sourate 112. Il dit il n'a jamais été engendré. Écoutez. On va lire. Sourate 112. Oh. La sourate 112. Après, verset 1 à 4. Disons. Sourate 112, ayat 1. S'il vous plaît. Dis. Il est Allah. Il faut savoir quelque chose dans le Coran. Quand le Coran parle d'Allah, le Coran parle tantôt de la position de Dieu, l'individu Dieu. Parce que Allah veut dire Dieu. Allah, c'est la signification étymologique du mot Dieu en arabe. C'est ça. C'est pas le nom de quelqu'un ici, il parle de Dieu. Mais il y a un autre que lui s'appelle Allah. Voilà. Mais ici, là, il parle de Dieu. Dit. Il donne les attributs de Dieu. C'est clair. Il dit Dieu. Il est Allah. Il est Allah. Il est Dieu. C'est pas son nom, pas nom. C'est ce qu'il est. Il est Dieu. Son essence. Il est Dieu. Unique. Allah. Le seul. Donc, il est unique. Il n'y a pas autre Dieu.
Ce Dieu-là, Allah le seul, à être imploré. À être imploré. Pour ce que nous désirons. Pour ce que nous désirons. Lui seul compris. Lui, il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. N'a pas été. Et n'a pas été engendré non plus. Engendré non plus. Tu crois que tu es allé à l'école? Voilà. Vas-y, frère. Tu es allé à l'école. Tu sais que ici là, on dit Dieu. Ici, on parle de la dimension humaine de Dieu. Clair. Et quand on parle d'engendrement, on parle d'un homme. Voilà. On dit Dieu n'a jamais été engendré. Et n'a jamais engendré. Et n'a jamais engendré. Mais tu sais aussi que c'est l'homme qui engendre. Clair. La femme n'engendre pas. C'est l'homme qui engendre. La femme est l'enfante. C'est l'homme qui met au monde. La femme elle accouche. Claire. Sur la 3. Attends d'abord. Donc, ici là, on dit si vous voulez reconnaître Dieu là, remarquez, si vous trouvez sur la terre un individu qui n'a jamais été engendré et qui n'a jamais engendré, c'est cet individu là qui est Dieu. Claire. Vas-y. C'est ça qu'on parle ici. C'est ça. C'est la Sourate 112, reprend. Sourate 112, ayat 1. Il faut écouter. Il faut écouter. Dis. Et Allah. Il est Allah. Allah. Unique. Il est Dieu. Allah. Unique. Unique. Allah. Allah. Le seul. Le seul. À être imploré. À être imploré. Imploré. Pour ce que nous désirons. Ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais engendré. Il n'a jamais fait d'enfant. Allah n'a jamais fait d'enfant. N'a pas été engendré. Lui aussi n'a pas été engendré. Donc, si on découvre quelque part quelqu'un qui n'a pas été engendré et qui n'a pas engendré, cet individu est Dieu. C'est ça. Maintenant, on commence par Adam. Adam n'a pas été engendré. Je vois 5 ans. Adam n'a pas été engendré. Tu vois un peu? Mais Adam, il a engendré des enfants. Donc Adam n'est pas Dieu, il est disqualifié. Est-ce que tu suis? C'est ça. Adam, là, il n'a pas été engendré. Il n'a pas de père. Il n'a pas été engendré. Mais lui, il a engendré des enfants. Donc lui, il est disqualifié, il ne peut pas être Dieu. Or, après Adam, tous ceux qui sont venus étaient engendrés. D'autres n'ont pas fait d'enfants, mais ils étaient engendrés. Ils sont disqualifiés. Maintenant, il y a un seul être qui est venu sur la terre, là, qui n'a pas été engendré. Il est venu comme Adam. Sourate 3:59. Sourate 3. Oui. Ayat 59. Il est venu comme Adam, il n'a pas été engendré. Allah. Adam n'a pas été engendré. On ne l'a pas accouché. Il n'est pas né, d'un père. Il n'a pas un père. Quand on dit engendré, cet homme, c'est le père qui est un père. Ça s'appelle engendré. La femme n'engendre pas. Elle enfante. Elle accouche. C'est l'homme qui engendre. C'est ça. D'abord même, on me dit Jérémie 29. Disons Jérémie 29. Verset 7. 6 à 7 même. 6 à 7. Lis 7 rapidement pour aller vite. La femme, elle accouche. L'homme engendre. Jérémie 29, 7. À partir du verset 7. Oui. Verset 6. Oui. Prenez des femmes. Prenez des femmes. Et engendrez des fils. Et engendrez des fils. Et des filles. Et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donc prenez des femmes pour vos fils. Et donnez des maris à vos filles. Et donnez des maris. Donc prenez des femmes et puis vous vous engendrez. C'est ça, non? Ou quel garçon prenez des femmes, vous engendrez. Maintenant, donnez des maris à vos filles. Afin qu'elles enfantent. Afin qu'elles enfantent. Elles n'engendrent pas, elles enfantent. Elle n'engendre pas, elle s'enfante. Ça, on apprend ça à l'école. C'est l'homme qui dit, j'ai mis un enfant au monde. La femme dit, j'ai accouché. La femme ne met pas au monde. Elle accouche. C'est l'homme qui met au monde. Mettre au monde là, c'est le synonyme d'engendrer. Accoucher, c'est le synonyme d'enfanter. Donc, il y a un être là qui est venu sur la terre là. Lui, il est comme Adam, il n'a pas été engendré. Selon le Coran, soit 3:59. Soit 3:59. Soit 3. Oui. Verset 59. Oui. Pour Allah. Pour Allah. Jésus. Jésus est comme Adam. Est comme Adam.
Adam n'a pas été engendré. Et Allah sait ça. Jésus est comme Adam. Il créa de poussière. Il créa de poussière. Puis il dit. Il dit soit. Soit. Et il fut. Et il fut. T'as vu? Jésus n'a pas été engendré. Et le Coran le reconnaît. Et il est le seul être sur la terre qui n'a pas été engendré et qui n'a non plus engendré. Donc il est qui? Question. Surat 112 dit, Allah seul n'a pas été engendré et n'a jamais engendré. Ces deux qualités-là, c'est lui seul qui a ça. Écoute très bien. Les deux qualités-là, c'est Allah seul qui a ça. C'est pourquoi Adam a été disqualifié. Adam n'a pas été engendré. Dieu a permis qu'il engendre parce qu'il n'est pas Dieu. Je ne sais quoi. Il a engendré. Maintenant, il faut écouter ici, mon ami. Maintenant, Adam est disqualifié parce qu'il a engendré des enfants. Tu vois. Après Adam, là, tous ceux qui sont venus là, ils ont été engendrés. Même si tu n'as pas engendré, tu as été engendré, tu es disqualifié, tu ne peux pas être Dieu. C'est ça. Maintenant, il y a un seul être dans tout l'univers. Oui. Un seul être. Un seul être. Selon la Sourate 19. On va voir s'il a été engendré. Sourate 19. À partir du verset 7. Allons. 7. Oui. Elle mit entre elle et eux. Elle mit entre elle et eux. Un voile. Un voile. Nous lui envoyâmes. Nous lui envoyâmes. Notre esprit Gabriel. Notre esprit Gabriel. En parenthèse. Oui. Il se présenta. Qui se présenta. 17, 42. Qui se présenta à elle. À elle. Sous la forme d'un homme parfait. Soit 112 là. Alors on va expliquer ça ici. Sous la forme d'un homme parfait. Elle dit. Elle dit, je me réfugie contre toi, auprès du Tout-Puissant, miséricordieux, si tu es pieux, ne m'approche point, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur, pour te faire don d'un fils pur, celui qui naît là, il est pur, regarde la partie, qui est pur, Sourate 17, 42, qui est le seul pur. Sur 112 là, Allah va t'expliquer ça ici. Il n'y a pas un être qui est pur dans tout l'univers. Hein? Allah va te prendre qui est pur. Sur 17, 42. Dit. S'il y avait des divinités avec lui. S'il y avait des divinités avec lui. Comme ils le disent. Elles auraient alors cherché un chemin. Pour atteindre le détenteur du trône. Pureté à lui. C'est lui qui est pur. Pureté à lui, oui. Il est le plus haut. Et infiniment au-dessus de ce qu'ils disent. Les autres divinités ne sont pas purs. C'est lui seul qui est pur. Or ici, celui qui va naître là, il est pur.